Bienvenue sur Intensément. Je suis Raph et vous écoutez le teaser de l'épisode 9 du podcast Intensément, Le zèbre selon Jeanne Siofachin. Où le zèbre existe-t-il? Ou tout sur les zèbres? Bon, enfin, un des trois, vous choisissez le titre, mais je n'avais aucun titre précis, enfin que j'avais réussi à accepter. Vous êtes donc sur Intensément, le podcast qui explore l'univers atypique des hauts potentiels intellectuels, surdoués ou zèbres, et c'est le cas de le dire pour cet épisode spécial de fin d'année, avec, ne l'oublions pas, un focus sur les réseaux sociaux et les médias en ligne. Celles et ceux qui suivent le podcast depuis le premier épisode ont sans doute noté toutes mes interrogations sur le phénomène zèbre, et particulièrement le fait que je n'arrivais pas à cerner le concept même tel que je pouvais le rencontrer sur les réseaux sociaux. Vous avez pu aussi remarquer que j'ai jusqu'à présent donné la parole aux représentants de l'aile que l'on pourrait qualifier de scientifique et critique des débats sur les hauts potentiels intellectuels. Et pour qui ? Le consensus scientifique sur le haut potentiel intellectuel, à savoir un quotient intellectuel égal ou supérieur à 130, prime sur tout le reste, car selon ces psychologues, neuropsychologues ou chercheurs, si l'on se réfère aux études, il n'y aurait pas de caractéristiques émotionnelles ou de personnalité relatives à ces capacités cognitives supérieures à la moyenne, ni profil type de HPI. Et toujours selon les statistiques, être HPI serait avant tout un avantage. Ce qui n'écarte pas bien sûr les possibilités qu'un HPI souffre de pathologie. La méthode scientifique me parle donc en priorité. Je suis quelqu'un qui aime l'esprit critique et j'aime creuser les sujets, d'où ce podcast. Mais creuser les sujets et vouloir comprendre signifie bien sûr s'intéresser aux autres points de vue. Et donc, dans le monde francophone, si l'on reste dans le champ de la psychologie et de la neuropsychologie, en écartant les pseudo-sciences et pseudo-coachs, nous avons évidemment et avant tout Jeanne Siofachin. La célèbre psychologue, qui a révélé il y a de cela 20 ans au grand public les difficultés et la vie pas toujours long fleuve tranquille de nombreux surdoués, la créatrice des centres Cogitos, est aussi l'auteur de livres cultes comme L'enfant surdoué ou bien sûr Trop intelligent pour être heureux. Mais Jeanne Siofachin est surtout connue pour être la maman des zèbres. La très hypissime dénomination, entrée cette année d'ailleurs dans le Larousse, est imaginé il y a 20 ans donc. Tout en aidant de nombreux surdoués en leur permettant de s'affirmer sans paraître prétentieux, l'appellation jouit d'une telle popularité qu'elle attire énormément de personnes en cas d'identité et de tribu. Le phénomène zèbre, qui lie fortement le surdoué à l'hypersensibilité, a depuis sa création largement dépassé les frontières du haut potentiel intellectuel, porté par un flou dans la réception de son message qui peut mener à une certaine barnomisation, et l'effet Barnum, c'est le sponsor officiel de ce podcast. Ce podcast est sponsorisé par l'effet Barnum, ce biais cognitif qui fait qu'on se reconnaît dans une description générale et floue de traits de personnalité qui pourrait s'appliquer à tout le monde. Et maintenant, un bruit particulièrement pathologique, un magnifique bruit de galop. Désormais, d'immenses troupeaux de zèbres, beaucoup sans rapport avec le haut potentiel, parcourent la savane des réseaux sociaux francophones. Chacun ayant sa propre définition du terme, mais se considérant membre de la communauté rayée. Sur ces réseaux, donc, les 34 782 débats quotidiens sur les 12 523 groupes ou forums zébrés sont déroutants, avec des protagonistes qui vont de l'artiste incompris gilet jaune en mal d'amour qui ne passera jamais le test de QI de peur d'être vacciné en même temps, à la surdouée estampillée qui passe son temps à débunker sèchement les conceptions les plus farfelues. Bref, il est très difficile de savoir ce qu'est un zèbre. Et j'ai donc lancé une bouteille à la mer à Jeanne Siofachin, qui a répondu rapidement et positivement. Et là, attachez vos ceintures ou votre gilet de sauvetage, nous partons en expédition aux confins de la zébritude. Après un retour approfondi sur son parcours, Jeanne Siofachin se confie sur ce phénomène qui lui a échappé et sur les dérives que l'on peut constater autour de ce thème, mais aussi sur les thèmes HPI en général, l'intensité, l'hypersensibilité, l'empathie, le HPE. Et il y aura des surprises. La maman des zèbres s'est prêtée au jeu avec passion et bonne humeur, comme l'adore intensément, et c'est tout à son honneur. Rendez-vous donc, je l'espère, le 22 décembre sur toutes les bonnes plateformes de podcast pour cet épisode spécial qui clôturera la saison 1 du podcast Intensément, le podcast divergent.